Hello, aujourd'hui on va apprendre le cross, un des coups très très importants de la boxe anglaise et aussi du sport de combat en général et des arts martiaux. On veut vraiment vraiment comprendre différents principes. Le premier sera les principes biomécaniques et anatomiques. En deuxième, on voudra comprendre d'où part le cross quand on est en garde. En troisième, on va vouloir absolument vraiment avoir cette capacité de comprendre comment avoir une meilleure allonge, comment pouvoir transférer le poids de corps dans ma frappe, ok. La quatrième, on va revenir sur ce qu'on avait vu dans la première vidéo qui était sur le jab, c'est-à-dire protéger lorsque je mets mon coup et quand je reviens, comment je me reprotège pour redevenir en garde, ok, c'est très important. Et après, on fera un petit topo général. Pour le cross, on veut absolument que votre frappe rentre dans le tuyau et ressort du tuyau. Rappelez-vous, on en a parlé sur la première vidéo sur le jab, ok. On veut exactement la même chose. Je rentre ma frappe et je ressors. C'est comme si vous rentriez dans ce tuyau. Elle rentre par un endroit et la trajectoire de retour sera la même. Je vais revenir ici en position de garde. D'accord? Juste pour se rappeler, la garde, vous avez votre coude qui va venir protéger le foie et les côtes et votre poing, d'accord, qui va venir chercher à protéger votre menton. C'est vraiment très, très important. Ce qui veut dire que quand je mets une frappe, je reviens donc par cette même trajectoire et en aucun cas je laisse dropper ma main. D'accord, je veux vraiment pas que ma main descende parce que vous allez vous exposer à des contres et ça va devenir vraiment dangereux. L'objectif, je frappe, je reviens. Je suis en position, je frappe, je reviens. Si je mets de profil, regardez, c'est très simple. Je viens frapper et je reviens. Boum. À aucun moment mon coude part sur le côté. J'essaie de prendre le chemin le plus rectiligne. Rappelez-vous, d'un point à un point, le chemin le plus court, c'est la droite. En l'occurrence, ça tombe bien, celle que je mets. Je viens ici, boum, je frappe. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. On avait déjà vu ça pour le jab, c'est exactement pareil. Donc, si vous avez besoin de revoir un peu plus en précision, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo du jab. Rappelez-vous une chose, quand je vous demande d'avoir l'épaule qui vient protéger votre menton, ça permet de vous protéger, mais ça permet aussi de transférer le poids de corps dans votre frappe. Comprenez qu'il n'y a pas que cette notion de triceps qui est ici, qui va nous permettre d'avoir l'extension du bras, ok? Si vous faites ça au bout de quelques rounds, ou même juste quelques taffes sur tout ce qui est pattes d'ours, vous allez être crevé. Votre triceps, c'est un petit muscle, il va être fatigué. Nous, ce qu'on veut, c'est envoyer toute cette chaîne musculaire, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le bas du corps, donc on va à cette position pointe de pied à l'arrière, le mollet, d'accord? On va envoyer notre hanche, cette position des hanches, et ensuite, boum, venir poser notre épaule sur notre menton. Rappelez-vous, c'est l'épaule qui vient chercher le menton et pas l'inverse. Et c'est vraiment un des points clés de notre vidéo. D'accord? C'est vraiment le truc le plus important. Je suis dans cette position, boum, je frappe et je reviens. Donc je vais être en position, boum. Toujours cette sensation de vouloir rentrer dans le tube et ressortir. Je suis en position, boum. Si vous venez un peu plus par là, vous allez voir. Quand je suis dans cette position, si je suis ici, si je restais square, donc c'est-à-dire parallèle, si je frappe là, ben, il y aurait peut-être de la vitesse due à mon triceps, mais en aucun cas, je pourrais envoyer le poids de corps dans ma frappe. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux vraiment que ça rentre. On sent que ça percute. Pour le travailler, ça vient souvent du relâchement musculaire, de le fait d'être détendu, de boum, frapper. Ok, boum, frapper. Dans ma position. Je suis ici, je veux absolument, absolument pousser sur ce mollet pour que mon talon fou vienne bien décoller et envoyer ma hanche et envoyer mon épaule menton. Mon épaule vient connecter mon menton et pas l'inverse. C'est la règle de base. Fou, ici. Pourquoi? Comme ça, je ne m'expose pas au contre. Comprenez que si je fais ça, toujours je m'expose. Ok, sur le côté, au milieu, et ainsi de suite. Là, je veux vraiment fou, venir chercher. Très souvent, on explique même que si vous avez envie, si vous commencez à bien avoir ce mouvement en tête, et même dans vos mains, parce qu'on parle plus de l'avoir dans les mains ou dans les gants, vous allez commencer à pouvoir même tourner légèrement votre pouce en direction du sol. D'accord? Ça fait un peu comme gladiateur, c'est boum, c'est la mort. Ben là, c'est pareil. Fou, je suis ici. Plus vous allez avoir cette sensation de visser, plus vous allez avoir de l'impact. D'accord? Dans notre façon de tourner le poing, comprenez qu'on va le tourner dans le dernier quart de notre mouvement. Je viens ici, pour l'instant je suis rectiligne ici, là, et là, boum, je rentre. Ça nous permet de passer la garde et à la fin de mettre
cette espèce d'impact là, boum, ici. Ok, je vais refaire la même chose, juste le profil, je suis ici, hop, je frappe. On boule, hop, je frappe. Quand vous faites du shadow comme ça, vous n'avez pas besoin de faire une extension complète du bras. Gardez toujours une petite marge de sécurité, histoire de prévenir des blessures, genre épicondylite, tendinite, etc. J'étais en mouvement, ici, je frappe et je reviens. Hop, tranquille. Pour l'instant, vraiment très soft. Mon cross et je bouge. Ah, je bouge, je bouge ma tête un petit peu. Hop, et je frappe. Encore, je bouge. Hop, hop. On a une chose qu'on travaille très souvent, c'est pour en revenir à cette épaule-menton. Au-delà de vous protéger, quand vous lancez une frappe ou quand vous allez recevoir, c'est aussi une façon d'avoir une meilleure allonge. Dès l'instant que, par exemple, si j'envoie un jab ici et que j'envoie un cross ici, mais qu'ici mon menton ne vient pas connecter, vous allez vous rendre compte qu'en termes d'allonge, je suis très limité. Très souvent, quand je viens ici, je vais envoyer un jab, beaucoup plus frappé sur mon jab. Si je m'enchaîne sur mon cross, peut-être que la personne en face, sur le jab, elle aura esquivé ou fait juste un retrait du buste. Step back, lean back pour les anglophones. Quand je frappe ici comme ça, ce qui risque de se passer, c'est que la personne va reculer. Moi, quand je vais frapper, si mon épaule ne vient pas chercher mon menton, et donc si je ne tourne pas mon buste pour envoyer de la puissance, et je risque de ne pas avoir assez d'allonge pour toucher la personne. Regardez, si je fais ça et que je fais ça, on se rend bien compte que mon bras arrière n'a pas dépassé mon point avant. Okay ? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette sensation de venir ici, de se glisser. Attention, quand vous visez votre frappe, je ne veux pas voir ça. Ok, parce que là, vous pourriez vous exposer. C'est toujours la même histoire. Je veux rester 50-50 sur mes appuis. Je frappe, je frappe. Ou encore, hop, je frappe, je frappe. D'accord ? Bang, bang. Même principe, on est ici, on peut travailler sur nos bobs, nos compas. Hop, hop, et je reviens. Hop, hop. Vous avez vu ? En termes d'assise, d'assiette, je suis droit. Je viens pas chercher vers l'avant. Voilà en gros ce que vous avez besoin pour travailler ce cross. Une bonne posture, bien rentrer dans le tuyau ou dans le tube, revenir, d'accord, vous revenez par le même endroit, l'épaule qui protège votre menton, d'accord, et du relâchement. Si vous êtes déjà contracté, vous allez avoir besoin de relâcher pour recontracter. Imaginez le temps que ça prend. Soyez relâché, regardez ce qui se passe et on frappe. Une petite annotation en plus, quand vous boxez, votre menton est rentré, d'accord, il pointe entre guillemets votre chest, vos pecs, c'est vraiment important. Je suis ici. Je ne vous demande pas d'être là, puisque là, on commencerait à s'exposer. Mais très clairement, on va avoir besoin d'être ici pour essayer de protéger une de ces zones du chaos. Et vous allez voir que l'instant que je vais mettre une frappe, et bien cette épaule protège complètement mon menton et cette main protège mon menton. Ok ? Voilà pour aujourd'hui. Ça suffit largement. Travaillez ces points. Revisionnez la vidéo. Vous allez voir que à force de répétition, à force de travail, ça va le faire. N'oubliez pas, le groove. Quand vous faites un mouvement, il faut que ça sonne. Poum, si vous voulez vous sentir bien, n'hésitez pas à vous filmer. Vous pouvez même les envoyer si vous avez envie. D'accord ? N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.